l'hébergement des intrants agricoles. Ça pas de quoi il est mort. Question financière dans un premier temps. À votre avis, pourquoi la situation de l'élection du président Macron est assez... agricole se prépare. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux d'être ici en direct de la foire, de la grande halle de Cournon dans le cadre du sommet de l'élevage. Et on va s'intéresser à l'avenir de l'élevage dans un contexte particulièrement compliqué avec les épizooties. Tiens, est-ce que dans le futur ça va s'accélérer? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire? On va s'intéresser aux mycotoxines. On va parler de plein de sujets intéressants en compagnie donc de Manon Meunier. Bonjour Manon. Bonjour. Vous êtes députée de la Haute-Vienne, donc vous connaissez bien l'élevage. Et juste à ma droite, Jérôme Larcelet, consultant nutrition chez Sinorest. Bonjour. Bonjour. Alors, on va déjà parler avec vous de mycotoxines. C'est quoi les mycotoxines? Donc les mycotoxines, c'est une toxine qui est produite par les champignons, donc qui se développe au champ essentiellement. Donc en France, on est confronté à ce problème sur les céréales notamment, blé et surtout maïs. Donc dans l'élevage, on s'intéresse surtout sur la partie maïs. Donc des champignons qui vont se développer au champ, qui suite à certains stress et des conditions de développement favorables vont sécréter des mycotoxines qui vont se retrouver dans les fourrages, donc notamment l'ensilage de maïs, et qui par la suite vont poser des soucis sur les troupeaux. Alors quand vous dites soucis, c'est un euphémisme, c'est pas vraiment sympa les mycotoxines. Donc effectivement, pour les vaches laitières notamment, on va avoir des soucis au niveau performance laitière. Donc des conséquences économiques pour les éleveurs, des soucis au niveau reproduction, au niveau des animaux, et potentiellement sur les cas les plus graves jusqu'à des mortalités de vaches dans les cas les plus extrêmes. Et chez les humains? Donc chez les humains, il y a quelques mycotoxines, donc pas toutes, qui peuvent être cancérigènes et qui peuvent poser problème en santé humaine. Et donc effectivement, c'est aujourd'hui contrôlé, et des mycotoxines qui pourraient se retrouver dans les produits finis laitiers, etc. Mais aujourd'hui, bon, on en retrouve très peu car les laiteries sont en obligation de contrôler ça et les niveaux de mycotoxines qu'on a dans les produits finis. Alors, est-ce que c'est comme dans les céréales où on fait des mélanges de l'eau de façon à avoir un niveau moyen qui n'est pas trop élevé? Alors, ça, c'est la question qui tue. Hein. J'aurais pas dû vous la poser, celle-là. Hein. Alors, démélangeant, bon, après, nous, ce qui me concerne, sur la partie élevage, sur le fourrage, sur l'ensilage de maïs, donc on fait pas de tri, donc on échantillonne, tout est mélangé dans le silo dans tous les cas, donc on essaye de faire, et c'est le but de l'observatoire qu'on anime aussi au niveau national, d'échantillonner donc les maïs et de voir les teneurs qu'on peut retrouver, quoi. Très bien. Ces mycotoxines, on a une chance, c'est que vous faites un contrôle depuis plusieurs années pour essayer de voir est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas dans l'ensilage de maïs. Oui, donc c'est un observatoire qu'on a démarré en 2018, donc il y a 6 ans. Là, c'est la 6e campagne qu'on va démarrer. Donc un observatoire qui a but d'avoir une veille objective sur la présence de mycotoxines sur les ensilages de maïs. Donc aujourd'hui, on a 44 départements en France dans lesquels on réalise des analyses. Donc à peu près 8 analyses par département. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 300 analyses. Et ce qui permet effectivement de voir un petit peu ce qui se passe au niveau des mycotoxines. Donc en 6 ans, ça nous a pris pas mal de choses. On voit qu'il y a des effets années, donc liés aux aléas climatiques, et des effets régions, mais qui est aussi lié au climat, où on n'a pas le même climat dans toutes les régions en France, et donc des mycotoxines qui vont être plus ou moins présentes selon les régions. En gros, il y en a plus quand c'est humide, il y en a moins quand c'est sec. Effectivement, donc les conditions douces et humides vont être favorables au développement des champignons au champ, donc sur la culture et donc aux mycotoxines. Et des conditions, par exemple, comme en 2022, donc une année plutôt très sèche et chaude, on a eu très peu de développement de mycotoxines. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet? Oui et non. Après, alors on voit avec le changement climatique, justement en 2022, par exemple, une année sèche, on a eu peu de mycotoxines. Après, le changement de climat pourra aussi peut-être demain avoir des mycotoxines émergentes, donc des mycotoxines qu'on n'avait pas forcément en France, qui existent dans d'autres pays avec d'autres climats, qui peuvent aussi arriver demain en France avec le changement climatique. Oui, parce que ces mycotoxines, on les a sur les stocks d'arachides, par exemple, on les a en Afrique, on les a partout, tout autour de la planète, d'ailleurs, avec des conséquences qui sont importantes et graves. Est-ce qu'on a des façons de limiter la teneur en mycotoxines?
Alors oui, aujourd'hui, on a des pratiques culturelles qui peuvent permettre de limiter donc, le développement du champignon. Donc la base, ça va être d'avoir des techniques qui vont permettre de limiter le développement du fusarium, donc du champignon, c'est le champignon principal qu'on retrouve et qui nous pose problème. Donc effectivement, sur les techniques culturales, notamment les rotations, donc allonger les rotations, éviter de faire des maïs sur maïs, des maïs derrière blé, vont permettre de casser le cycle du champignon. Le fait de labourer, va permettre aussi d'enterrer les résidus, d'éviter de contaminer les cultures suivantes. Donc c'est vrai que par exemple le non-labour est une pratique qui peut favoriser. Les traitements qu'on peut faire contre la pyrale, donc qui a un facteur de risque assez important, donc les vols de pyrale. Donc du coup le traitement contre la pyrale permet de limiter les risques. Ensuite on a sur les choix des variétés, donc d'adapter aussi les variétés à sa région. Parce qu'on se rend compte que tout ce qui peut être récolte tardive, en fait, les champignons se développent fortement en fin de cycle. Donc, plus on récolte tôt et moins on a de mycotoxines. Donc, on peut faire des choix sur la variété et aussi d'avoir des variétés plus résistantes à la fusariose. Donc, voilà, c'est l'essentiel du préventif se fait au niveau culturel. Manon, ça vous parle ? Bien sûr. En fait, le travail qui est fait, surtout de prévention et d'analyse de tout ça, pour savoir justement comment on va s'en sortir dans l'alimentaire, dans l'alimentation, on a besoin de recherche et de financement. Donc, évidemment, ça me parle. Alors, c'est vrai que si on élargit un peu le sujet, on se pose quand même des questions sur l'avenir de l'élevage, pour des raisons économiques, bien entendu, mais aussi compte tenu du réchauffement climatique, de l'évolution. Comment vous vous positionnez par rapport à ça ? Alors, on a mené une mission d'information à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là, par rapport... Oui, excusez-moi, là, vous êtes surtout devant la caméra. On vous donnera... Je vais vous donner la parole tout à l'heure, monsieur. On va vous donner la parole, s'il vous plaît. Peu importe. Monsieur, je vais vous donner la parole tout à l'heure, mais s'il vous plaît, respectez... Non, pas là... Vous allez respecter notre travail et on vous donnera la parole. Non, mais sauf que là, vous êtes devant la caméra. Si vous voulez bien vous décaler. Je vous respecte. Oui, merci. Vous parlez des affaires que vous connaissez pas. Mais peut-être, mais on en parle quand même. Oui. Je veux faire des choix. Oui. Quand je vous entends parler, vous faites peur. D'accord, mais je vous donnerai la parole tout à l'heure. Il faudra justement assurer devant le micro, vous allez voir. Volontiers. On fera une interview si vous voulez de vous. On continue le débat où oui. On a été. Merci. Non, mais effectivement, monsieur a raison. Il faut, enfin, en politique et y compris sur les médias, il faut, enfin, la première chose qu'on doit faire, c'est d'aller justement à la rencontre des agriculteurs, agricultrices, pour comprendre justement, typiquement, vous me parlez de réchauffement climatique aujourd'hui. Comment on va faire pour y faire face ? Déjà, c'est de se déplacer sur les exploitations agricoles pour voir quels sont les impacts concrets du changement climatique sur ces exploitations, parce qu'en fait, les agriculteurs en sont souvent les premières victimes avec la sécheresse, la viticulture, par exemple, le traverse et le nombre de viticulteurs, de viticultrices aujourd'hui qui nous disent qu'il faut absolument mettre en place des mesures politiques derrière pour accompagner. Donc évidemment, il faut d'abord qu'on aille à l'écoute des agriculteurs. C'est pour ça qu'on a fait une mission d'information justement sur le sujet où on est allé interroger une centaine d'agriculteurs et d'agricultrices pour comprendre les impacts du changement climatique, de la biodiversité aussi sur l'agriculture et comment on fait pour accompagner. Et en fait, les conclusions par rapport à ça, c'est de dire demain, l'agriculture peut s'adapter, mais en fait, la base pour ça, c'est d'avoir des prix rémunérateurs pour les agriculteurs. C'est de faire en sorte que si vous voulez aller dans un modèle justement qui peut faire face au changement climatique, si vous voulez aller dans un modèle où on est dans des paysages comme chez moi en Limousin par exemple, où c'est l'élevage extensif qui est prioritaire, l'élevage extensif en fait, c'est hyper lié avec une biodiversité qui est préservée. Si on veut accompagner ces modèles-là, il faut qu'ils soient rentables pour les agriculteurs. Il faut que derrière on ait une économie qui soit liée à cette agriculture-là. Et pour le coup, aujourd'hui, malheureusement, c'est plutôt la grande distribution qui prend énormément les profits et pas les agriculteurs. Monsieur, on vous donne la parole. Non, papa, il faut respecter le passage. Venez par là, venez à mes côtés. Vous allez pouvoir parler, mais il va falloir assurer. Alors, expliquez-moi, vous venez d'où, vous, monsieur ? Moi, je suis Ardéchois. Alors, il faut parler bien près dans le micro. Je suis Ardéchois. À Nonnet, au nord, parce qu'on connaît bien le... La Mastre. Ah, non, OK. Qu'est-ce que vous faites ? Élevage et cerises. Quoi comme élevage ?
Vachelet-Thiers. D'accord, ok. Et quand je vous entends parler, vous faites du souci pour l'agriculture, mais il n'y a plus de paysans. Il n'y a plus personne. Et vous n'allez pas installer des paysans tels que, comme vous parlez. Je veux dire, il faut arrêter. On est des tueurs, on est des tueurs de sangliers. Il faut arrêter. Il faut ramener l'agriculture là où elle est. On est là pour produire, pour élever nos familles. Mais il faut arrêter de dire qu'on est des fous, quoi. Je veux dire, on ne détruit pas la planète. Hein. D'accord. Pas en Ardèche, en tout cas. Je veux dire... Au Brésil, oui, mais pas en Ardèche, c'est ça que vous voulez dire. Pas chez nous, quoi. Ouais. Je veux dire, il faut... Moi, vous me faites mal au ventre, quoi. Ouais. Quand j'entends tout ce que vous dites, vous me faites mal au ventre. Ah, mais je n'ai pas dit que vous détruisez la planète. Non, mais peut-être qu'on entend, on est des tueurs, on est des pollueurs, on est tout. Mais je veux dire, en Ardèche, enfin, dans les autres départements, je ne sais pas ce qu'elle est. Ah non, parce que tous les copains, eux, ils sont des verres de bière, non, en plus, je pense qu'ils ne vont pas venir comme ça. À la vôtre, messieurs. On est des paysans, d'abord. Oui. On est là pour nourrir, nous et notre famille. Moi, j'ai élevé 3 enfants, Pascal, pareil. Je veux dire, on n'est pas là pour... Donc, mais on va aller plus loin. Ce que vous avez envie de dire, c'est que vous avez marre d'être traité de pollueur. Point. C'est ça. Non. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est que j'arrive à la retraite, j'ai personne derrière. Qui c'est que je peux installer derrière ? Il n'y a pas personne. Parce que ça ne paye pas, parce que l'image du métier est mauvaise, parce qu'il n'y a pas de jeunes qui veulent venir s'installer. Pourtant, l'Ardèche, il y a pire comme département. Hein. C'est clair, on ne gagne pas un rond. Je dis, je vais toucher 950 euros de retraite. Il y a bien souvent, je ne les ai jamais gagnés. Et maintenant, j'ai arrivé à la retraite, j'ai payé mes emprunts, tout. Je veux dire, mais je ne les ai pas toujours gagnés. J'arrive à la retraite, j'aurai 650, 700 euros. Je les aurai, mais je veux dire, je ne suis pas un voleur. Hein. Et on va aller plus loin. Pourquoi vous n'avez pas touché suffisamment d'argent ? À cause de quoi ? La faute à qui ? Pourquoi je n'ai pas gagné d'argent ? Ouais. Pourquoi votre métier ne vous a pas permis de rémunérer ? À l'époque, ce que je vendais... ne coûtait pas... Suffisamment cher. Voilà. Mais je veux dire, tout ce que j'entends maintenant, l'écologie, tout ça, mais je veux dire, mais on arrive à un bout que... On ne gagne pas de rond en train de... Oui, mais ce n'est pas la faute à l'écologie. Vous voyez quand même qu'il y a des problèmes climatiques. Mais c'est pas la faute à l'écologie, mais je veux dire, on arrive à un point où on est... On peut pas rien faire. Ça, c'est plutôt l'application. Les agriculteurs gagneraient, les entrepreneurs gagneraient, plus personne gagnera. Ouais. Et je veux dire, on est à fou, on est à cul, quoi. Je veux dire, C'est compliqué. Voilà. Ouais. Non, mais c'est foutu. Non, moi, je pense pas. Non, moi, je vois des jeunes quand même qui s'installent. Je vous dis, j'ai travaillé... il n'y en aura plus. Et puis, moi, j'ai travaillé depuis... J'ai attaqué à 17 ans, j'ai aidé mes parents, tout ça, et puis j'ai continué derrière. Et les heures que j'ai faites, jamais je serai payé. Jamais. On est foutu. Non, moi je n'ai pas envie de... On peut pas dire qu'on est foutu, mais non. Je veux dire, des sommets d'élevage, je vous dis, il y aura des tracteurs, il y aura tout ce qu'il faut, mais il n'y aura plus rien. Est-ce que vous me permettez de reprendre le micro et de continuer le débat ? Alors, on continue, restez avec nous si vous voulez. On a été où ? Alors, concrètement, comment on fait pour prévenir ces épisodies donc, qui risquent de revenir de plus en plus souvent ? Vous pouvez parler aussi, hein ? Jérôme, on fait comment ? Oh, je vous laisse, allez-y. Hein ? Le problème de l'agriculture. Ah, monsieur. C'est le revenu. D'accord. Alors, d'accord. On fait comment ? Pour prévenir les épisodies, à votre avis, comment vous positionnez là-dessus, Manon ? Alors sur la FCO par exemple, c'est pas le premier épisode qu'on traverse. Et pourtant là, tous les éleveurs qu'on a pu rencontrer au sommet nous disent il n'y a pas eu d'anticipation.
Il n'y a pas eu, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, mais les éleveurs nous ont dit, il n'y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu de prévention. Aujourd'hui, on nous annonce effectivement que, bon, les vaccins vont être pour la FCO3 vont être gratuits partout en France. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Mais aujourd'hui, on a les vaccins, ils sont produits en Espagne par des laboratoires espagnols et on n'a pas de souveraineté au niveau français. On n'a pas de laboratoire aujourd'hui capable de produire ces vaccins en France. Et donc, on va se retrouver évidemment avec des laboratoires espagnols qui privilégie d'abord l'Espagne, voire les plus offrants. Donc, ça me rappelle un peu la Covid, ça, non? C'est vrai que ça nous évoque un scénario de déjà-vu, en effet. Mais donc, l'Espagne qui privilégie évidemment l'Espagne, ou le plus offrant, donc des pays nordiques qui vont payer les vaccins plus cher que l'État français. Et nous, on se retrouve dans une situation assez compliquée où on va être obligé de faire de la négociation assez forte. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de développer les outils en France pour pouvoir effectivement avoir des laboratoires suffisamment puissants. Jean-Paul Évrard pour Boost, l'émission, vous connaissez pas. Voilà, on va continuer. Merci, l'émission. Merci monsieur, nous laisser continuer. Manon, continuez. Donc faire en sorte d'avoir des laboratoires français qui sont capables de produire des vaccins pour les élevages français déjà. Donc anticiper là-dessus, avoir suffisamment d'investissement dans la recherche et puis de l'anticipation encore une fois. Donc c'est-à-dire d'avoir des plans où on est capable de mettre tout le monde autour de la table, parce que là par exemple, ce qui s'est passé en 2009 sur la FCO8, c'est que tout d'un coup, on a dit vaccin obligatoire du jour au lendemain. Les vétérinaires se sont précipités, évidemment, pour faire les vaccinations. Ça ne s'est pas toujours très bien passé parce que c'était dans un temps restreint. Donc, on a aussi besoin de mettre les éleveurs autour de la table avec les organismes de sélection, les vétérinaires, etc., pour avoir une planification une fois qu'on a les vaccins, en espérant qu'on les ait, pour que ce soit OK pour tout le monde, que ce soit validé par tout le monde et que la chose se passe bien. Mais donc, anticipation, prévention et investissement dans des outils publics qui nous permettent d'assurer une souveraineté sanitaire en France. Alors, ce qui se passe là dans le cas de la FCO, mais c'est pareil, la grippe aviaire, enfin, on a plein de problématiques où on a l'impression qu'on court toujours derrière le vélo, qu'on n'est pas capable d'anticiper. La grippe aviaire, on sait qu'il y a un risque sur l'humain, c'est très clair. Oui, tout à fait. Et sur ces sujets-là, d'ailleurs, on crée des nouvelles conséquences néfastes sur les élevages. Grippe aviaire, moi, alors, c'est pas, pour le coup, en Limousin, c'est pas là que vous avez le plus d'élevages de volailles développés. Et pourtant, il y a des éleveurs plein air qui m'ont interpellée en me disant, moi, je vais arrêter demain, en fait, parce que on est sur du plein air, on est sur des modèles où on n'est pas concurrentiel avec l'agro-industriel, enfin, ou en tout cas, on se développe autrement, on fait de la vente directe, etc. Sauf qu'aujourd'hui, les mesures sanitaires qu'on nous impose, ce sont les mêmes que les mesures sanitaires de l'agro-industriel, et ça donne souvent des protocoles qui ne sont pas adaptés aux fermes plein air, où vous devez investir pour faire des sas, où vous allez laver les bottes entre chaque parcelle, et ce qui, la plupart du temps, en fait, n'a ni queue ni tête sur les exploitations, et en plus de cela, demande de forts investissements financiers que les éleveurs souvent ne peuvent pas assumer. C'est un petit peu la même chose avec l'élevage de porcs plein air. C'est la même chose. Vous avez des normes sanitaires aujourd'hui qui sont évidemment essentielles, mais je pense qu'on doit pouvoir avoir une sorte de régime spécifique au plein air avec des réglementations qui soient différenciées pour permettre que financièrement et même techniquement ce soit accessible pour les éleveurs, parce que vous avez aujourd'hui plein d'éleveurs porcins de porteurs de projets en porc qui ne s'installent pas parce que c'est le parcours du combattant et beaucoup d'investissements pour faire en sorte de s'adapter sanitairement parlant. Exactement. Manon Meunier, merci beaucoup. Jérôme Larcelet, merci beaucoup. Merci. Et puis merci aussi au public qui est intervenu en direct dans cette émission. Et surtout, merci à vous de nous suivre chaque jour sur TV Agri. Largement des intrants agricoles. Question financière dans un premier temps. Votre avis, la situation de l'élection président Macron est agricole se prépare.